les chevaux, ils permettent vraiment de profiter du moment et de ne pas penser à plein de choses et de juste profiter d'être avec eux. Cornelius, il a une grande sensibilité avec tout le monde, avec les animaux, les enfants, même avec les handicapés. Il sait exactement comment être, avec qui, il sent tout ce qu'on ressent, il sent exactement qu'est-ce qui se passe, à quel moment il doit faire quoi. Pour s'occuper des chevaux, il faut une relation de confiance mutuelle, que ce soit moi envers le cheval, par exemple, quand je prends le sabot sur moi et que je le pose sur mon genou. Je sais qu'il fera attention, il sent que je suis vers ses pieds, il va faire attention à moi. Lui aussi, il m'accorde une confiance, le fait que je puisse monter sur lui, que je m'occupe de lui, il sait que je suis là pour son bien. Même des petits détails comme ça aussi, on voit qu'il est sensible. Quand on met le filet, par exemple, quand c'est des personnes qui sont petites, il va automatiquement baisser la tête pour que ce soit plus facile de passer la tétière derrière les oreilles. On voit qu'il vient contre moi, c'est vraiment pour m'aider, que ce soit plus facile pour le mettre. C'est tellement mignon. Des choses à pied avec le cheval, même les choses les plus simples comme l'emmener au pré, et c'est là qu'on prend du temps pour être avec lui, une relation qui se crée, on voit comment il est, qu'il ressent. Cornelius, le fait qu'il soit aussi sensible, ça fait qu'il se distrait avec n'importe quoi. Quand on va passer un papillon, hop là, il est intéressé. Il est tout le temps en train de regarder partout, il observe énormément. Le cheval dans la globalité, ça permet vraiment de penser à rien, de juste profiter du moment, de pas se poser de questions. Quand t'es avec le cheval, t'es avec lui, tu te concentres d'être avec lui et c'est tout. Et au-delà des chevaux, même les rencontres, les personnes qu'on connaît grâce à ce sport, c'est incroyable. C'est une ambiance, c'est des relations qui sont magnifiques. Quand je suis là-bas, je me sens bien. C'est l'endroit qui me détend, qui me permet de me relâcher. Je passe des heures là-bas et je vois même pas le temps passer tellement que je me sens bien. C'est là-bas que je me sens mieux.